Et on repart les amis, on repart donc pour une discussion avec Aurélien Bélanger, écrivain. Salut Aurélien. Bonjour. Je crois, j'y réfléchis depuis que... alors Aurélien Bélanger, donc le premier bouquin, ton premier bouquin, qui pour moi avait été un sacré choc, il y a 15-16 ans que je brasse la matière des entreprises. Et c'est la première fois que je lisais un roman, non pas sur l'économie, mais un roman sur l'entreprise finalement. Peut-être la première fois depuis Balzac, j'ai lu ici ou là que tu aurais aimé écrire Les Illusions Perdues. C'est vrai que tu aurais aimé écrire Les Illusions Perdues. C'est quelque chose qui... C'est l'un des romans que j'ai le plus lu. Je l'ai lu 3-4 fois. Et oui, c'est vraiment très très réussi. Et puis ça donne presque la structure classique du roman français avec un récit d'apprentissage doublé d'un rapport Paris-Province hyper intéressant. Ouais. Et un pari qui est à la fois le pari de la modernité, qui est celui de la presse et de la publicité, de tout ce qui apparaît aujourd'hui, et qui est aussi le pari des sociétés secrètes. Donc ça donne une trame romanesque en fait assez géniale. Dis donc, j'y pensais pas, mais c'est vrai que le rapport Paris-Province, parce qu'il y a pas mal de trucs qui t'intéressent, et le rapport Paris-Province, il est partout dans tes bouquins. Alors, on va dire Paris-Province ou Paris-Banlieue, voilà. On va dire centre de décision et puis les corps extérieurs qui essayent d'y entrer. C'est vraiment propre, oui. C'est vraiment quelque chose qui est hyper central dans le récit national, qui me parle, moi, personnellement, parce que je suis né en Mayenne, j'ai grandi en banlieue et après, je suis venu habiter Paris. Mais qui est vraiment une structure presque paradigmatique française et on ne peut pas interroger la France sans ça. Et d'ailleurs, c'était hyper intéressant à tout niveau, mais l'affaire des Gilets jaunes a prouvé que c'était la revanche de la géographie sur, sur l'économie. Et chose qu'on avait un peu oubliée et des sortes de fondamentales comme ça qui revient. Ouais. Et tes héros sont souvent, là on va parler de télé-réalité, mais le tout premier, alors tu le dis d'une phrase d'ailleurs, on peut essayer de mettre des noms derrière les héros que tu mets dans tes romans. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est pas très intéressant en fait. Hein. Le premier, la théorie de l'information, tout le monde a dit c'est Xavier Niel. Oui, ça y ressemble furieusement, mais à la limite, c'est pas ce qui t'intéresse. Non, c'est pas ça qui donne l'intérêt au roman, vu qu'il n'y aura pas de révélation sur le personnage. C'est ça. C'est plutôt... pour Xavier Niel, en l'occurrence, moi, je voulais parler d'Internet et de cette révolution-là, un peu comme d'une uchronie. Du coup, j'avais ce truc français génial qui s'appelait le Minitel et que du coup, on pouvait raconter l'histoire d'Internet comme si ça avait été inventé en France dans les années 80. Ouais. Et l'une des personnes qui faisait la jonction entre les deux, qui avait fait fortune dans l'un et dans l'autre, c'était Xavier Niel. Donc ça tombait sur lui. Et Stéphane Courby, je voulais raconter la télévision, la modernisation. Donc ça, c'est celui de la réalité. Qui est beaucoup moins connu, c'est pour ça. J'allais non, c'est un personnage qui est beaucoup moins connu que personnellement, même, je ne connaissais pas. J'avais un peu enquêté comme ça sur plein de choses. Lui, je ne l'avais pas vu. Et ça raconte la mainmise des producteurs sur la télévision. Ça raconte la modernisation de la télévision. On va y aller. D'abord, moi, je veux ce que je disais. C'est-à-dire, alors, je vais te lire. Hein, le prends pas mal. Mais voilà, je vais te lire parce qu'il faut comprendre en quoi je trouve que c'est fascinant et que ça va éveiller quelque chose à vous si vous aimez les entreprises et l'économie, mais l'économie des entreprises. Donc, on démarre avec ton héros qui est donc en province, effectivement, un jeune ado mal dans sa peau et qui va découvrir le plan comptable général. Le monde entier chaotique, ça va être un peu long, hein, pardon, mais j'aime ça. Le monde entier chaotique rentrait soudain dans le plan comptable général. Les montagnes comptent 21-141 carrières, comme les usines comptent 21-311 ensemble immobilier industriel. Sébastien, donc c'est le nom du héros, avait instinctivement compris le sens de tout cela, la différence entre le capital impérial et les immobilisations toujours un peu regrettables. Il était tellement plus à l'aise là-bas, dans ces rectangles colorés, dans le jeu de lois de la faillite évitée de justesse, des emprunts renégociés au dernier moment, de la formation brute de capital fixe, sculptée à même le temps, que dans son inutile vallée des préalpes dromoises. Quelles que soient les choses que les hommes pourraient inventer, le plan comptable général était là à leur service. Un livre aux pages toujours ouvertes, dont ils étaient les héros. Tout possédait un sens et une nomenclature, tout s'harmonisait. À la fin, si on avait bien rangé les choses, dans un récit unique, joyeux, infalsifiable. Les outils mal rangés de son père dans l'atelier, 21-55 outillage industriel. Les vieux bidets, oui, parce que son père est plombier. Les vieux bidets désinstallés et inutilement gardés, 39-71, dépréciation des stocks de marchandises. Ces vieux bidets dans lesquels il entreposait en vrac des joints de toute taille et des rouleaux de filasse, 32-28 fournitures d'atelier et d'usine. Et alors c'est la chute qui est magnifique, Aurélien. Tout cela composait un monde à ce point complet qu'il possédait même des catégories attribuées à l'énigme du mal, 416, clients douteux ou litigieux. C'est super.
Pardon, mais c'est superbe. Voilà. Mais tu as une volonté comme ça d'intégrer l'entreprise, la microéconomie dans la réalité des gens. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, la façon, dans ta démarche d'écrivain, justement ? Bon, je dois préciser que je suis pas comptable. Moi, j'ai fait un bac littéraire, mais j'ai vu mes camarades en section STT, l'ancien, le nouveau bac G. J'imagine que tous les chiffres sont bons, tous les codes sont bons. Ah, oui, j'ai vérifié, voilà. J'ai refait lire ces pages par un ami dans la finance qui a vérifié chez CEOS. Il m'a dit qu'il ne hurlait pas. Disons que, enfin, en tout cas, quand j'ai écrit le livre, ça a été un moment de bascule, parce que j'ai commencé le livre comme ça. Ça s'est dépassé assez rapidement au début, et j'ai senti que je tenais mon sujet là, parce que j'avais trouvé un peu le ce qui allait faire le caractère distinctif de mon personnage. Là, je le tenais, là, c'était plus une entité, et je le tenais vers ce truc abstrait, qui est quelque chose... plus que l'entreprise, c'est quelque chose qui fascine dans l'économie, parce que l'économie, elle est absolument partout, elle est absolument totale, elle est un mode de description du réel, et c'est difficile à raconter, donc... Par le filtre du plan comptable général, de la comptabilité, on peut faire rentrer la totalité des choses dans le monde. Et donc c'était un outil romanesque fascinant. Et puis ça me permettait de raconter la bascule entre une petite PME artisanale familiale et le futur empire qui serait créé, et quel pourrait être l'équilibre entre les deux. Mais une économie que, c'est le mot que j'ai trouvé, une économie que tu constates, jamais tu ne juges. Franchement, on en a un des romanciers qui écrivent sur les entreprises, et ceux qui aiment Bismarck... C'est pas possible, quoi. Voilà. Jamais tu ne juges. C'est parce que c'est le point de vue d'un jeune naïf qui veut réussir son ambition initiale. Naïf, dis donc, il n'est pas naïf. Parce qu'au début, son ambition, c'est de devenir le premier comptable de la Drôme. Donc, ambition louable, et il existe probablement. Mais on imagine que peut-être... Mais au début, il ne voit pas plus loin que ça. Donc, je lui fais successivement découvrir le monde avec cette entité qui flotte, qui s'appelle Paris, qui est la télévision, enfin, cette sorte de... Paris étant la métonymie, la télévision étant la métonymie de Paris, etc. On ne sait pas tout à fait ce que c'est, mais ça le fait rêver. Et donc, il y a une sorte d'histoire, mais que je trouve très balzacienne, très feuilletonesque, d'intégrer des cercles successifs. Il comprend très vite la puissance de l'argent. Je cherche, tu as une phrase formidable sur... Je vais la réciter quand par il observe... Tu as une phrase formidable sur ce qu'est un entrepreneur. Il avait compris que sa fortune devait être non pas un état, mais un outil. C'est ça que tu écris. Hein. Complètement. Voilà. Tu l'écris mieux que ça. Il est au restaurant, du coup, avec un petit cercle d'entrepreneurs drômois. Non pas un état, mais un outil. Et il ne comprend pas pourquoi ils négocient. Ils ne le font pas par radinerie. Il ne comprend pas pourquoi ils négocient. Il y a l'addition qui arrive, il y a plein de pièces, etc. Et puis il recompte l'addition. Il ne comprend pas. Et en fait, là, il comprend qu'il va falloir entretenir un rapport différent avec l'argent, juste de simple accumulation, juste de simple admiration. En fait, voilà, c'est ça. C'est comment est-ce que. C'est le truc dont je suis, moi, personnellement, absolument incapable. Comment est-ce qu'on utilise son argent pour faire autre chose ? Tu sais que c'est une des grandes phrases de Bernard Tapie, ça. Je ne sais pas si tu le sais, Aurélien. Dans ce moment qu'il faut que tu regardes, qui est un moment incroyable de l'audition de Bernard Tapie il y a je ne sais pas combien de temps, devant la commission du Sénat qui remet en cause l'arbitrage, et notamment les 40 millions de préjudice moral. À un moment, il s'énerve et il dit « Mais bon Dieu, l'important, ce n'est pas l'argent que vous me donnez, c'est ce que je vais en faire. » C'est pas mal. Bon argument, effectivement. Hein, oui. Il aurait pu. Hein. Bon, alors rentrons ensuite dans... j'ai encore un... À un moment, tu lui prêtes une fascination pour l'émission Capital. Tout à fait, oui. Que j'ai partagé, que je crois beaucoup de ceux qui nous regardent, qui ont un certain âge, hein, il faut bien le dire, ont partagé pour Emmanuel Chin. Toi-même, tu... Moi, c'était amusant parce que j'étais en seconde et du coup, il y avait un cours de SES, de sciences économiques et sociales, et j'avais un prof extrêmement paresseux et il faisait pas cours et il nous diffusait Capital. Du coup, j'ai découvert Capital en cours. En plus, c'était génial. Mais c'est génial, mais bravo à lui. Et Capital, c'était les incrustations. Et, je lui mets cette fascination. À un moment, ça expliquait comment être rentable si on vend des sandwichs de gare. Ouais. Trois ingrédients, on est rentable, quatre ingrédients, on n'est pas rentable, quelles sont les techniques, etc. Et c'est ce côté, moi, que j'avais un peu découvert aussi à l'époque de Xavier, mon livre sur Xavier Niel. C'est Xavier Niel devient milliardaire parce qu'en fait, il se réveille la nuit pour calculer des différences de 0,1 centime sur des abonnements. Et voilà, c'est cette espèce de passion folle qui fait qu'à la fin, ça marche. Ouais. Les infographies, Emmanuel Chin, il appelait ça clouter un sonore. C'est-à-dire, il disait, ça suffit pas que quelqu'un dise quelque chose. Bim, bim, il faut le clouter. Et donc, il faut mettre, et tu sais, c'est ces fameuses phrases, soit le gars disait 30 euros, soit 3 fois 10 euros. Tu sais, voilà, c'était ça. Et qui restera un outil génial, de par exemple, qui fait que les vidéos de Brut, on les regarde, parce qu'on peut les regarder silencieusement parce qu'elles sont sous-titrées, et qui restera aussi un vrai outil de la télé-réalité, de souligner, insister. Tu sais, enfin non, tu le sais pas, mais Brut a un problème, justement, avec l'économie, avec les entreprises. En fait, c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien aborder, parce que ça les intéresse, parce qu'ils sont intelligents, parce que ce sont des journalistes. Et en fait, leur public, très jeune, leur reproche presque.
de s'intéresser aux entreprises, de s'intéresser au capital, de s'intéresser à... Ouais, donc ils y vont, j'imagine, par les angles de la philanthropie. Oui, enfin, ils y vont comme ils peuvent y aller, mais ils ont des problèmes à y aller. Donc, histoire d'une ambition et, comme tu l'as dit, d'une transformation profonde du modèle de la télévision. Mais attendez, parce que même si la télévision ne vous intéresse pas, Aurélien Bélanger, il va plus loin. Parce que globalement, ce que tu nous racontes... La télé-réalité, ok, on va raconter la télé-réalité, mais pour toi, la télé-réalité, elle est deux choses. Elle est un, c'est, je crois que c'est à un moment l'un de tes héros, alors celui-là on le reconnaît aussi, c'est John Demol, le patron d'Endemol, qui dit « c'est la première grande réelle ambition européenne ». Complètement, oui. Parce que le... C'est quelque chose de frappant, en fait, si on va, quand on allait à l'étranger, quand on voyait les vedettes de télévision nationale, elles n'étaient absolument pas connues, en fait. La télévision européenne ne fonctionnait pas, en fait. Il y a eu une première tentative impériale, c'est les années Berlusconi, le rachat de la 5, l'équivalent pour l'Espagne. Ça s'est un petit peu cassé la gueule. Et dans un second temps, il y a eu cette idée que l'Empire, on ne pourrait pas le créer avec des chaînes. TF1 aussi avait essayé, alors que TF1 était énorme par rapport aux autres chaînes. Ils se proclamaient première chaîne d'Europe. Sauf qu'ils étaient extrêmement français. Canal+, ça avait une filiale espagnole, etc. Et l'idée de génie d'Endemol, c'est donc de faire une sorte de laboratoire d'idées, de fabriquer des formats et de vendre les formats à tous les pays du monde. Alors qu'avant, c'était plutôt quelqu'un avait une bonne idée, faisait un bon format et puis on allait au MIPCOM à Cannes et puis on le vendait au monde entier. Là, le produit, c'est de le vendre absolument partout. Et le Big Brother fera l'objet en 2000 d'un lancement global. Aurélien, ça va plus loin. John Demol, il dit à un moment, ensemble, donc il est néerlandais, hein, les amis, ensemble, nous allons terminer la réforme. La réforme avec un grand R. Réunifier l'Europe. Achever sa grande sécularisation. Les phénomènes pan-européens sont rares. Celui-ci dit quelque chose de l'âme européenne. Bah c'est la... C'est le lecteur de Weber en moi qui parle. Il faut que tu me racontes, Weber, c'est quoi, c'est-à-dire L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est cette idée, pourquoi est-ce que le capitalisme naît comme ça en Rhénanie et quelle est sa liaison avec le protestantisme? En quoi ça engage le grand récit européen, que les gens se mettent à travailler pour sauver leur âme, puis au bout d'un moment oublient la notion, la partie morale, mais restent beaucoup plus travailleurs que les autres. Voilà, bon. C'est quelque chose... Mais c'est intéressant, vas-y. C'est quelque chose qui est intéressant, parce que moi, quand j'étais jeune, les Pays-Bas, c'était le pays du mariage gay, le pays de la dépénalisation de l'euthanasie du cannabis, c'était le pays libéral. Et on savait qu'il y avait cette histoire, que c'était un peu le laboratoire de la modernité, une sorte d'enclave moderne au sein d'une Europe qui était déjà moderne. Mais c'est là où s'expérimentaient encore les choses. Et du coup, voilà, c'est pas complètement un hasard si la télé-réalité, qui est quelque chose d'un peu sulfure externe, mais qui est un vrai produit nouveau, naît là-bas. Et ensuite, l'autre chose, c'est que la fameuse épine dorsale, une sorte de banane bleue spirituelle, c'est réussir à faire ce qu'ont fait les grands peintres et les grands mécènes de la Renaissance, c'est relier les Flandres et l'Italie. Trouver un spectacle pan-européen. Et il y a la grande John Demol Berlusconi. Exactement, mais oui, voilà, mais la grande télévision européenne, elle va se faire comme ça. Et donc, à un moment, il faudra que la France... la France a toujours eu un problème avec la banane bleue. Elle veut en être, elle n'en est pas complètement, mais il fallait que la France soit prise dans l'équation. Alors, c'est là où on est saisi d'un doute, parce que est-ce que tu le penses ou est-ce qu'on doit être immergé avec tes héros? Mais on va dire que John Demol Berlusconi... c'est pas la peinture flamande et la Joconde, tu vois, ça, à un moment t'y mets, alors je te relirai là d'ailleurs, allons-y tout de suite parce que là, je pousse un peu l'idée, mais je pense que l'intuition est bonne. L'intuition, c'est que c'est de la fabrication d'images extrêmement intensive. Endemol est le groupe maintenant est le premier producteur de télévision de flux au monde. Donc, ouais. D'un côté, il y a Disney pour tout ce qui est les télévisions un peu chic, pour la télévision un peu sale, on va dire, il y a Endemol. C'est pas rien de faire autant d'images. Et puis les images, les gens les regardent, elles sont chez les gens, elles sont dans des boîtes, elles sont sur des écrans, etc. La peinture de la Renaissance était beaucoup moins vue. Évidemment, c'est pas les mêmes enjeux spirituels. Mais bon, oui. Alors, bon, c'est le lecteur de Debord en moi dit que voilà, à un moment, le capital s'est transféré dans les images, est devenu autonome ou je ne sais pas, etc. Et que si on veut comprendre ce qui se passe, il faut lire vraiment les images. Et à un moment, je pense que ça marchait bien avec la télé-réalité, parce que s'il y a bien un genre télévisuel qui a été méprisé, c'est celui-ci. Il n'a jamais été regardé. Ah, oui. Et il y a eu quand même des choses, donc j'exagère en faisant de l'apparition de Loana dans une piscine, l'équivalent de la naissance de la Vénus de Botticelli. Ouais. Mais ça, je pense que je ne suis pas loin du vrai. Donc Loana, à peine créée, la télé-réalité nous a offert grâce à elle l'équivalent de la naissance de la Vénus de Botticelli, la beauté pure, sortie de sa petite piscine et livrée entière et nue au scalpel de nos yeux. Je pense que ça marche. Et son destin ultérieur est compliqué. Et effectivement, il y a quelque chose de... C'est aussi un spectacle de cruauté, bien sûr. Tu sais, alors, je prends la liberté de le raconter parce que vous l'avez peut-être vécu, vous aussi. Moi, il se trouve que je suis dans une grande rédaction à ce moment-là. Je suis à Europe 1.
Et donc, c'est à 20h, hein, sur M6, je crois, hein, le premier loft, c'est 20h ou 19h, enfin, c'est fin de journée, le monde s'arrête. Dans les rédactions, je n'ai vu ça que pendant la Coupe du Monde de football 98, peut-être, la série de pénalty de France-Italie, c'est-à-dire cette façon, évidemment, le 11 septembre, enfin voilà. Mais pardon hein, de ce rapprochement, mais la façon dans une rédaction, il aurait fallu un urgent pour la mort du président de la République pour nous faire bouger. C'était c'est dingue. Moi, j'avais ce souvenir-là des polémiques incroyables et de ce qui s'était passé. Et c'était il y a pile 20 ans. C'est pour ça que. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est ça. C'est que ça a l'air anodin, mais il s'est vraiment passé quelque chose. Alors, il s'est passé quelque chose à tel point. Alors, juste parce que le temps tourne très vite, mais. Et sur l'économie de la télévision, tu saisis quelque chose de très important. J'ai l'impression que les professionnels n'ont pas encore compris. C'est la première fois, en fait, où les contenus allaient devenir plus importants que les chaînes. Complètement. Voilà, complètement. C'est, ouais. C'est le génie d'Endemol, c'est ça. Et ils font de l'argent comme ça. Les chaînes, ils trouvent leur compte parce qu'elles font de la publicité aussi, évidemment. Mais le grand empire qui naît, c'est Endemol. Oui, mais ça annonce Netflix, en fait. Ça annonce exactement Netflix. Ça annonce aussi, si on prend les héros de télé-réalité, ça annonce ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. On va y aller, ça. Ça annonce Donald Trump. Ça annonce Donald Trump. En fait, la télé-réalité, je pense que c'est une figure de transition qui explique et la fin de la télé et le début du monde d'après. Donc, contre toute attente, je pense que c'est un bon objet. Alors que c'est très méprisé, la télé-réalité. Oui. Non, mais et puis là-dessus, tu démontres le jeu. Mais juste, restons sur cette histoire de contenu, parce que ça annonce Netflix, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin, et c'est tout le problème des chaînes aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça n'a plus aucune importance. Il y a eu l'étape intermédiaire qui a été la TNT. Et la télé-réalité éco-naturelle de la TNT. C'est le moment où d'un coup, moi j'ai grandi dans un monde à 3-4 télés. Et puis d'un coup, ça s'élargit brutalement. Donc la télé-réalité, c'est facile à faire, facile à produire. Elle va prendre les 15 chaînes ou quelques-unes des 15 chaînes. Effectivement, l'étape d'après, mais qu'on savait depuis toujours, auquel on se préparait, c'est effectivement Netflix. Ouais. Netflix, les réseaux sociaux, parce que, alors, donc, allons-y sur la télé-réalité. Donc, tout à coup, ce héros, donc, on ne va pas tout raconter d'ailleurs, mais donc, il découvre la télé-réalité, OK, grâce à John DeMol. Il est un peu inquiet quand même, hein. Au début, il se demande où est-ce qu'il est, hein, quand il commence à visiter, en fait, le premier... Oui, parce que c'est un peu le mal, ça ressemble un peu, il y a des barbelés... C'est dingue. Complètement, avec un côté... Est-ce qu'on n'est pas en Europe en train de refaire une connerie, ouais. Qui est très proche des débats qu'on avait à l'époque, dans les tribunes des journaux, etc., ouais. Et donc tout à coup, il se rend compte, on était là face à une représentation parfaite, homothétique de la société, à sa réduction à quelques personnages connus de tous, la bimbo, le beau gosse, la grande gueule et le ténébreux, tout était envisageable, alors j'ai coupé un bout, hein, mais tout était envisageable en réalité, absolument tout. Repris de justice, drogué, prêtre, femme sur le point d'accoucher, patient en fin de vie, tout ce qu'on voudrait en fonction des objectifs d'audience et des annonceurs escomptés. Ça, c'est devenu en fait les réseaux sociaux. C'est-à-dire, la télé-réalité, elle n'a jamais pu aller jusque-là. Effectivement, parce qu'il y avait des limitations, il y avait le CSA, il y avait des barrières. Tu ne crois pas qu'il y a notre... Puis notre conscience. Conscience. On parlait de la réforme des protestants, de tout ça. C'est vrai. Je vous dis ça, c'est important. Quand même un peu. Mais c'est les réseaux sociaux, en fait. Non, effectivement. Et cette énigme de... Mais ils deviennent célèbres alors qu'ils n'ont rien fait. Voilà. On va complètement l'accepter. On va complètement accepter. On va appeler ça des influenceurs et la question est réglée. Et alors, c'est là où ça débouche et où tu dis c'est central parce que ça débouche sur la politique. À un moment, tu dis, en fait, Nicolas Sarkozy est un héros de télé-réalité. On a élu un président... Ce que j'ai découvert, surtout, c'est que John DeMol, quand on lui demande comment il a eu l'idée de Big Brother, il dit, en observant le projet Biosphère 2, qui était de fabriquer une serre en Arizona pour reproduire des conditions dans un habitacle lunaire ou martien. L'un des actionnaires à l'époque, l'un des promoteurs, c'était un producteur hollywoodien, c'est Steve Bannon. Donc Steve Bannon est impliqué à la base dans l'un des premiers projets qui donnera la télé-réalité ensuite. Et in fine, ça fait 14 culbutes et ça donne Donald Trump qui sort... de The Apprentice, très grosse émission de télé-réalité professionnelle américaine, et qui devient président des États-Unis. Donc c'est dingue, en fait. C'est factuel. C'est impressionnant. Quand je fais une recherche, je tombe sur Steve Bannon là-dedans, je fais non, c'est dingue. Quoi. Et il refait la même chose. Steve Bannon, je ne sais pas si vous le suivez aujourd'hui, il a fabriqué pas une sorte tout. De... Il est dans un monastère en Italie, il est en train de s'en faire expulser, il fabrique une sorte de Vatican parallèle dans un monastère dans la montagne italienne, on ne sait pas ce qu'il fait. Bon, mais tu parles aussi de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, c'est pas un secret que il y a eu des liens. S'il y a trois, ça, t'en parles pas. Mais c'est là où c'est la différence entre Stéphane Courby et Nicolas Sarkozy. Complètement. Ils sont
Enfin, je l'ai déjà raconté, mais le gars, c'est que moi j'ai travaillé pour un livre qui s'appelle Le Grand Paris sur les années Sarkozy et j'avais pas vu Stéphane Courbis, où je le confondais avec Roland Courbis. Les deux personnages n'ont strictement rien à voir, mais l'homonymie. Entraîneur voilà. de football. Voilà. Exactement. Donc, absolument rien à voir, mais voilà, du coup, ça tombe bien, je l'ai pas vu, comme ça j'ai pu le sortir plus tard d'un tiroir. Ouais. Mais Nicolas Sarkozy, oui, a commencé dans un reality show avec ce moment dingue où en direct il va sortir un enfant de la prise d'otage de Neuilly. 93, ouais. Et Nicolas Sarkozy, sa vraie culture, il fait semblant maintenant de regarder des films et lire des livres, mais on sait très bien que sa vraie culture est télévisuelle. C'est un homme qui a regardé la télé, c'est un enfant de la télé, il adore la télé, il est interventionniste, enfin il a été interventionniste avec la télé, etc. Et ça raconte aussi tout ça, oui. Et tu crois qu'à un moment, on peut tout à fait imaginer qu'à un moment Stéphane Courby, donc grand-père de la... Enfin, grand-père, je dis pas grand-père, il est encore jeune d'ailleurs, hein, c'est un des trucs très intéressants de cette carrière, mais a pu conseiller Nicolas Sarkozy comme il conseillait Loana et les autres. Au fait, elle a pas gagné, Loana. Hein. Tu dis à un moment qu'elle a gagné, c'est pas elle qui a gagné. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Faudra faire un rectificatif. C'est vrai. Oui, mais bon, elle a gagné. Enfin, symboliquement. Je te dis, c'est le DJ, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et Loana, non, c'est vrai, ouais. Toujours. Donc, tu crois que Nicolas Sarkozy, sérieusement, à un moment, il s'est dit, il faut que je fasse comme ces jeunes gens-là? Non, par contre, ce que j'imaginais, c'est parce que j'ai une obsession depuis quelques années, c'est l'échec systématique du Sud français à produire des élites. Je ne vois pas d'élite politique venue du Sud. Beaucoup de Bretagne, de Normandie, Île-de-France, évidemment. Je cherche. Et du coup, à un moment, je dis, tiens, je vais en faire un empereur du Sud. Il va assumer, parce qu'il a un accent provincial qui, au début, l'empêche d'accéder vraiment à la télévision. C'est pour ça qu'il va en coulisses. Et je me dis, tiens, ça pourrait être marrant d'en faire un empereur du Sud. On a eu Bernard Tapie, évidemment. Mais qui depuis? Mais il n'est pas du Sud, Bernard Tapie. Il est associé à Marseille. Enfin, mais ouais, il est de Drancy. Effectivement. Ah, bah oui, ah, non. Et donc, je me dis, c'est quand même très, très bizarre que le Sud n'ait pas produit d'élite. De grande élite politique nationale. Donc c'était aussi un petit fantasme que j'avais, fabriquer une élite du Sud. Et même pas sous la troisième. Oui, sous la troisième. La cinquième république en depuis fait. Hein. De faire Pasqua, il n'y a pas eu. Oui, voilà, c'est ça. De faire Pasqua. Oui, le sujet, c'est que tu me dis qu'il a un accent. Je n'ai jamais entendu le. Donc il y a 16 ans que je brasse la matière économique, que j'ai vu tous les chefs d'entreprise importants, lui jamais. Et pour te dire c'est à quel. Point... Ça, ouais. Ah, mais oui, mais à tel point que je me souviens. Donc, il y a une structure qui s'occupe de la communication des grands patrons. Il y en a plusieurs, mais il y en a une très célèbre qui s'appelle Image 7. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai accepté de me déplacer pour rencontrer le gars d'Image 7 qui s'occupait de Stéphane Courby. Ah, même pas lui. Stéphane Courby. Génial, ouais. Jamais je l'ai vu. Jamais j'ai entendu le son de sa voix. Je ne sais pas s'il a un accent. T'as entendu le son de sa voix, toi ? Alors, il y a une archive que De Chavannes avait présentée, parce qu'au début, il était associé avec De Chavannes. Il y a une archive où on le voit en petit, et De Chavannes montre l'écran, il est là. Et c'est genre une archive dégueulasse, on le voit en tout petit sur l'image. Et sinon, il y a eu un article de Vanity Fair sur lui. Enfin, ma documentation, jamais je le sais. Ce que tu as mis dans le roman, d'ailleurs, hein, à un moment, voilà, il se dit qu'il va faire la télé. C'est un documenté, la documentation m'a pris 10 minutes de lecture. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de réel. Beaucoup plus que ça. Sur ce point précis, on voit tout le monde. On se balade avec et même le bateau, les différents bateaux, etc. Il y a juste, je voulais pas rater ça quand même non plus, parce que il y a un autre élément, mais d'ailleurs t'en parles sans arrêt dans notre interview, qui t'intéresse, c'est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, ça dit beaucoup de choses pour toi. Je voudrais retrouver la phrase à un moment. Donc tu te balades dans, je vais la retrouver. Hein, c'est le moment justement où il va aux Pays-Bas pour rencontrer John de Mol. Et donc, il est dans ce quartier, qui laisse penser, donc un quartier qui laisse penser que le monde est achevé, qu'il a atteint dans cette association de briques, de pelouses et de rues calmes sa forme définitive. Pardon Aurélien, mais c'est magnifique. Voilà. Mais c'est un sentiment réel que j'ai eu, ou aux Pays-Bas ou en Allemagne, le sentiment extrêmement dérangeant que c'est fini, mais c'est pas beau. Voilà. Ah oui. C'est pas beau. On n'a pas du tout envie d'y vivre, mais on voit que c'est fini. Alors qu'on se balade dans un quartier français, alors encore plus dans l'Italie ou au Portugal, l'Espagne, c'est pas fini. France, c'est intermédiaire. Là, c'est fini, mais ça donne pas envie. Donc c'est un paradis extrêmement bizarre. Et au-delà de ça, l'aménagement du territoire, tu trouves que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Enfin, tu as parlé rapidement, effectivement, des gilets jaunes, qu'on laisse de côté. Tu parlais des élites du Sud, mais
ce mépris pour Jean-Pierre Pernaut, pour l'ensemble de ce qu'il essaye de faire, justement, au contact de ceux qui n'ont plus la parole, tout ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ou... Oui, oui, non, le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, a vraiment été un moment de sidération politique, parce ouais, que voilà, je surjouais le côté intégration à la bourgeoisie parisienne, mais on a vraiment senti, enfin, en plus en ressenti d'arrondissement central, on a vraiment ressenti qu'on était attaqué par des gens qui vivaient à l'extérieur du château et qui avaient absolument raison d'être en colère. C'était ça qui était, c'était la légitimité de la colère. Et cette articulation, et puis il y avait aussi ce mépris que la colère ait le droit de s'articuler, mais dans le langage bourgeois, civilisé, des intellectuels du centre. Et que là, la colère, elle était articulée beaucoup plus spontanément, mais bien articulée. Disons que l'objet politique a été très vite trouvé. L'objet politique, c'était une rébellion de la périphérie contre le centre. Et c'était une intelligence populaire assez spontanée qui était assez saisissante. Ouais. Les héros de télé-réalité, les présidents issus de la télé-réalité, toutes ces choses-là, enfin, tu crois que cette longue traîne-là, elle est là pour un moment ? Alors j'ai une hypothèse un peu bizarre, c'est que on a beaucoup remarqué que la grande variété et le grand cinéma français des 30 Glorieuses avait beaucoup de comédiens italiens, et qu'en fait ce qu'on appelait le cinéma français, la grande culture populaire de l'époque, était probablement l'un des récits d'intégration des populations italiennes au récit national. Je pense que la télé-réalité nous raconte, avec tout l'aspect dialectique et compliqué, l'intégration des communautés, on va dire, plus étrangères qu'italiennes, donc venues du Maghreb, venues d'Afrique, raconte leur intégration à la classe populaire et deviennent la nouvelle classe populaire. Aujourd'hui, ça nous semble évident quand on voit des Italiens, enfin des Italo-Français dans des films qui appartiennent à la classe populaire. La télé-réalité nous a enseigné qu'en fait, la classe populaire avait changé et qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus diverse que ça. Mais, et la télé-réalité, comme on ne pouvait pas vraiment le dire frontalement parce que ça choquait l'image qu'on avait de nous-mêmes, la télé-réalité était l'une des façons dont on se l'est formulée. Dernier point, voilà, juste pour clore, parce que tu commences le bouquin là-dessus d'ailleurs, je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire, est-ce qu'on va encore lire des livres ? Tu dis, la littérature a vu naître et mourir presque tous les arts, sans cesse elle s'est vue dépassée, oubliée, défaite, toujours elle est réapparue pour reprendre son interminable récit. C'est un acte de foi, quoi. La télévision, on voit que c'est quelque chose de cyclique et que là, elle est sur le déclin. Elle a connu une apogée dans les années 80-90. Elle est sur le déclin. Elle est sur le déclin dans ses chaînes hertziennes, etc. Et tout. Mais la consommation d'images n'est pas sur le déclin, évidemment. Il y avait d'images. Il y a eu un transfert. Mais disons que la littérature, voilà, a un rôle. Elle a connu des époques peu fastes. Elle a connu des époques fastes, mais elle a toujours été là. C'est un art perpétuel. L'opéra, c'est pas sûr qu'il soit pérenne. Et la profusion des écrans, l'explosion des images, tuera pas la littérature ? Réponse en 10 secondes. Non. Et a même sauvé le théâtre, parce que la télé-réalité, c'est du théâtre. C'est du grand théâtre populaire, et on pensait que c'était mort, et c'est revenu. Aurélien Bélanger, donc, télé-réalité. Voilà, les amis, c'était Bismart, et on se retrouve demain.